Un, deux. Un, deux, test.
1-2, patate poule. Michel, on est en direct. Donc, test. On fait nos petits sons, tests de son là, pour les gens qui nous écoutent là, sur YouTube. On va juste tester là, un peu la qualité du micro, du son. Pour, on va être sûr que c'est une qualité optimale là, pour, lors du match des Pirates ce soir. Test, 1-2, test. Oh, je suis fort un peu. Test, 1-2, test. Test, 1-2. Donc, je vais continuer à parler un peu, Michel. Oui, 1-2, test. Oui, 1-2, test. OK, ouais, c'est bon. Est-ce que je pète trop dans le rouge, un petit peu? Non, tout est bon. Mais mec, tu criais le but, c'est sûr que ça va... Ça va péter dans le rouge. Ça va bloomer au bout. Bon, mais... Hey. Donc, on sera prêt dans quelques minutes pour le début du match.
Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce match des Pirates sur la GMHL TV. Ce soir, les Lynx de Whistler-Pessing qui sont en ville. Francis Prudhomme avec vous, en compagnie de mon fidèle comparse Michel Sabourin. Michel qui aura deux tâches ce soir. Notre nouveau caméraman pour ce soir, Michel Sabourin avec moi. Bonsoir, Michel. Payé en double. Oui! Bonsoir. Un beau match ce soir contre Whistler-Pessing. Oui, on est très contents. Tiens, pas un petit brin de chaussette avec l'entraîneur-chef Momenta, ancien joueur de Ligue nationale. Un gentleman, Momenta. Alors, les Pirates qui font leur entrée sur la glace dans les prochaines secondes. Alors, le premier, Simon Girard de Fabre, qui sera devant le filet des Pirates ce soir pour amorcer la rencontre. Du côté des Lynx, ça devrait être Derrick Rivet. Et ce match des Pirates, qui est une présentation de pneus GBM. Oui, M. Girard qui entame son premier match à vie pour les Pirates, le frère de Joe. Oui, qui avait été avec nous l'an passé, ouais. Jonathan Girard, donc, et la saison d'avant. Donc, un fier produit du Témiscamingue devant la cage des Pirates ce soir, Simon Girard. Alors, on lance l'alignement de départ. Le numéro 5, Étienne Bourque en défense. À droite, le numéro 19, DJ Swallow. DJ Swallow, le numéro 19. À l'avant, à gauche. En attaque. Le numéro 15, le numéro 15, assistant capitaine Olivier Boucher. À droite, le numéro 93. Le numéro 93, Mathias Trottier. Et je vous confirme, le centre, le numéro 17, le capitaine Xavier Gagnon. Alors, l'alignement départ pour ce match des Pirates. Alors, Gérard, qui salue ses partisans? Il doit être fébrile, on le sent. Alors, Ligue nationale interprétée ce soir par Anna-Rose Gélina, native de Lorrainville. Ça fait tout le temps du bien de nettoyer les speakers demain oui, la saison. Hey, on a reçu de la poussière. Il y a une voix. Oh. Alors, les Lynx, là, c'est aussi une bonne formation, Michel. Les deux équipes là, qui ont des fiches similaires, les Pirates, une fiche de 3 victoires, 1 défaite en fusillade. Tandis que les Lynx ont 3 victoires, 2 défaites. Les Pirates qui sont premiers de la division Nord et les Lynx qui sont deuxièmes, donc... Un duel au sommet ce soir, Michel. Et les Lynx que... Et la partie en fusillade, c'est contre les Lynx. Les Lynx, exactement. Donc oui, les Lynx qui ont une bonne, très bonne équipe cette saison. Là. On a surveillé du côté des Lynx. Et je rajouterais pour te couper, et les Pirates ont une très belle équipe aussi. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, on s'avance, on se prête, on va se match. Bon match, mesdames et messieurs. Alors, c'est en zone neutre.
C'était Swallow qui pousse la rondelle en fond de zone. La prochaine du disque est bouchée. Ça va à la ligne bleue des Pirates, c'est récupéré par Bourque. La rondelle qui soutient en zone neutre. On a un joueur assez trousse. Le tourniquet de Bourque. Bourque l'a intercepté. Le jeu qui se déroule dans la zone des Pirates. C'est poussé dans le fond de zone. Bourque qui a encaissé une mise en échec. Et la solide mise en échec de Gagnon pour mettre un leton au match. C'est Trottier dans sa zone. Trottier la passe soulevée vers Gagnon. Arrêté du bloqueur par le gardien de but des Lynx, Derek Rivet. Là, ça va aller à Boucher. Boucher la petite fête. Boucher toujours. Boucher, on va plus loin. Intercepté par les Lynx. Les Lynx, ça va du côté de Fisher. Fisher qui se contente de dégagement. On siffle l'arrêt de jeu. On effectuera des changements. On appellera une pénalité parce que le joueur, après le sifflet, a lancé la rondelle dans les jambières du gardien de but. Donc, ce sera déjà un premier avantage numérique du côté des Pirates. Et à souligner, Michel, le nouveau venu, premier match du côté des Pirates pour le numéro 22, Alexis Bourboin. C'est lui qui sera à la mise en jeu. Il nous arrive du Junior 3. Hein? Donc, la poursuite du disque, c'est Gélina. Ça va en coin, c'est Saint-Amand. Saint-Amand va tabouler le disque, pousse pour Bourboin. Bourboin, on visait Boudreau. Boudreau dans sa zone. Prend bien son temps. Boudreau va jusqu'à derrière son gardien. Et là, c'était un peu risqué. Réussit tout de même à sortir la rondelle. Bourboin. En entrée de zone. Intercepté. Et là, cette fois-ci, Boudreau. Ça va à Gélina. Gélina prend son temps. À Boudreau. Lancé loin, ça dévié, ça a touché cette main. Derrière le filet. Bataille pour le disque. Ce sont les Lynx qui le reprennent. Beau jeu là-dessus de Boudreau. Regardez les rondelles dans la zone des Lynx. Boudreau lancé du revers. Le deuxième. C'est à Hébert là-dessus. C'est fait insistant. Un petit peu de chamaillage après le sifflet. Mais ça restera sans punition. Et on fait effectuer des changements du côté des Pirates à la ligne bleue. On revient avec Bourque et Swallow. Et en attaque également, en attaque, on revoit le trio de Gagnon, Trottier et Boucher. Encore une minute 5 à l'avantage numérique des Pirates. Ça va à Bourque. Bourque. Dans le coin. La rondelle qui quitte la zone des Lynx. C'est Thor qui s'est lancé à la poursuite du disque, mais c'est récupéré par Boucher. Boucher, ça y est, on visait Gagnon. Et là, le jeu qui va se poursuivre. Gagnon, la passe vers derrière, ça va jusqu'à Bourque. Bourque, à Gagnon. De l'autre côté, jusqu'à Boucher. Oh, on a tenté la déviation pour Trottier. Bonne mise en échec là-dessus de Gagnon, qui remet à Boucher. C'est Boucher. Trop haut, et la rondelle qui va quitter jusqu'à la zone neutre. On a maintenant Bourque toujours, remet à Boucher. Boucher au centre, Swallow, un bon lancé, bloqué par le gardien. Et cette fois, dégagement complet avec 10 secondes à faire à l'avantage numérique des Pirates. Ça a récupéré par Bourque. Passe derrière vers Gagnon. Gagnon toujours. Gagnon s'amène. Un lancé. Encore une fois, c'est bloqué. Ça va à Brunet du côté des Lynx. C'est en zone neutre. Blue Petals qui encaisse bien la mise en échec. Là, ça touche le patin de Bourque en zone neutre. Et on appellera une punition, je crois, aux Pirates. Oui. On dira coup de bâton pour Bourque. On a vu l'arbitre qui a fait le signe du slashing. Le gardien Rivet qui s'en venait justement à pleine course vers son banc pour donner un joueur supplémentaire pour les Lynx. Alors, avantage numérique pour les Lynx avec 16-46 à faire en première période. C'est dans le coin, c'est Milhomme avec trois joueurs assez trousses.
Merci Moat. La rondelle qui dévie dans la boîte de punition. Donc, on reprendra dans la zone des pirates. Alors, pour les pirates, on fait confiance à Milom à la mise en jeu. Il sera flanqué de Gélina. Couture en défense et Moat. Lancé de relais du côté des Lynx. On va jusqu'à Thor, le numéro 72. Il va glisser plus loin vers Filion. Ça retourne à Thor, vers Filion. Bataille dans le coin. Ça va jusqu'à la ligne bleue des Lynx et de Drolette. Il remet vers le... vers Dubuc. Non, c'est plutôt Savignac. On va bataille dans le coin. Gélina avec deux joueurs. Bien bloqué par Girard. Le retour qui est récupéré, envoyé jusqu'à la zone des Lynx. 1-3 à faire à la punition des Pirates. Bonjour défense de Boudreau. C'est en zone neutre. Cette fois, Saint-Bert, le lancer du revers. Ça va glisser jusque dans le coin. Encore 30 secondes à l'avantage numérique des Lynx. Là, c'est Mercier qui se contente de dégagement jusqu'à la zone. Enfin, c'est Hébert qui gagne du temps. Hébert en zone, va même jusqu'à la fond de sa zone. Va d'un blob jusqu'en zone des Lynx. On écoule les secondes. Là, c'est un beau boom check là-dessus de Guimond. Guimond qui en a perdu un gars, mais continue à jouer. Fait preuve de courage. Là, on a été chanceux du côté des Pirates, on s'en tire bien. Le dégagement qui serait complété, mais on dira dégagement refusé. Alors, on prendra donc dans la zone des Pirates. 14 minutes 35 à faire à cette première avantage numérique. J'en profite pour saluer notre ami Denis Gauthier qui nous écoute. Donc, merci Denis. Bon match à toi aussi. Alors, ça va dans le coin. La rondelle qui vole très haut et on siffle l'arrêt de jeu. Donc, un bon rythme jusqu'à maintenant. Des deux équipes qui ont profité d'avantages numériques. Donc, on sait deux très bonnes équipes. Donc, il faut s'attendre à un gros match. Jusqu'à maintenant, on est choyé. Là, c'est du côté des Pirates. C'est le numéro 14, Alec Grenier. En début de saison, il faut s'habituer avec les nouveaux joueurs. Alors là, un bon lancer de Swallow, c'est bloqué. Donc, le numéro 14, c'est Alec Grenier qui vient de Lassar. Prêt à reprendre. Bon, mise en jeu remportée par les Pirates. À la ligne bleue, Bourque. La rondelle là qui ne faisait pas de maître. Toujours sur les Lynx. C'est Swallow qui va reprendre le disque dans sa zone. Contourne son filet. Il est embêté par un joueur. Il va remettre pour Grenier. La passe au centre. C'était pour Bourboin. Là, c'est Bourque qui s'amène à ses côtés. Côté des Pirates, c'est le numéro 20, Kevin Settaman. Il l'a remis pour Trottier, on lui a fait perdre le disque. Swallow qui reprend. Swallow qui pousse plus loin vers Bourque. C'est retourné vers Swallow. Et la passe au centre, ça a failli être intercepté.
Les Lynx qui ont tenté de renvoyer les Pirates, là, c'est bouché avec le disque. Bouché toujours. Le lancer en lob. Oh, le but! Olivier Boucher! La rondelle qui est bien sautillante, le gardien qui l'a perdu de vue. Donc, un but pour Olivier Boucher. Le gardien qui a tout simplement raté la rondelle, elle était sautillante. Désolé, je l'ai manqué. Du centre de la glace, un but pour Boucher, le gardien qui va s'en vouloir. Et Michel qui est rapide, déjà le premier but est inscrit au tableau indicateur. Donc on vous confirme que c'est bien Olivier Boucher. On va confirmer s'il y a des mentions d'assistance. Parce que maintenant, ça semble être sans assistance. Rivet qui est un gardien stable, puis pondéré. Mais la rondelle est vraiment soutiante, Michel, là, ça peut jouer des tours. Et là, tout de suite, les Lynx qui répliquent. Ont un lancé sur Girard qui bloque. Donc, on confirme Olivier Boucher sans aide. Donc, un autre changement. L'an passé, Boucher qui a évolué principalement à la ligne bleue. Cette année, on le place à l'attaque. Un joueur très offensif. Assez de relais du côté des Lynx. Alors, c'est qui rate le filet. C'est repris par Coutu. On a remis tout de suite. Et là, c'est Trottier en entrée de zone. Trottier. Un lancé de loin, ça a touché le bord horizontal et ça se retrouve dans le filet protecteur. On siffle l'arrêt de jeu. 12-29 à faire en première période. Et Trottier aussi, là, qui a gagné du galon l'an passé, il volait plus principalement sur un troisième, quatrième trio. Cette saison, on peut le voir sur qu'on pourrait qualifier de premier ou deuxième trio également, là, avec Gagnon et Boucher. Ça va jusqu'à Moat. Le lancer de loin, c'est bloqué par Rivet. Côté des Lynx, c'est Ambroise. Le numéro 8, William Ambroise. Puisqu'on a deux frères du côté des Lynx, les frères Ambroise. Le numéro 8, William, qui évolue en défense. Et le numéro 16, Marc-Olivier, qui lui est un attaquant. Ils viennent de Sept-Îles au Québec. Donc on salue la famille Ambroise s'ils sont à l'écoute. Ce sera Milhomme à la mise en jeu pour les Pirates. Milhomme qui joue avec Rupert House et Gélina. C'est lui, Gélina, qui tente de s'emparer du disque. Le tour en zone neutre. Ça va jusqu'à Moat. On vient d'arriver le filet, c'est Rupert House. Rupert House toujours à la ligne bleue pour Boudreau. Boudreau qui se contente d'envoyer derrière. Ça va jusqu'à Milhomme. On vient de mettre un échec. Rupert House, on visait Gilina devant le filet. Ça va jusqu'à Mouette à sa ligne bleue. Boudreau, lancé de loin, bloqué par le gardien. Milhomme à Rupert House. Rupert House toujours. On a tenté de wraparound. Là, c'est Milhomme. On envoie la rondelle dans le fond de zone. C'est passé Gilina. Moa. Oh, le but! Merci, Moat! Un lancé de la ligne bleue de Moat qui trompe la vigilance du gardien Rivet pour faire 2-0 Ville-Marie. Un tir voilé. Noël, le gardien, je crois, qu'il n'attendait pas le lancer, Michel, là-dessus. Là. Alors, le mot d'ordre, tous les libérates, on lance au filet. Faut lancer, Michel. On a vu des lancers là, qui n'étaient pas si... Il n'y avait pas tant de vélocité, ça a trompé le gardien, donc on devrait lancer au filet. Alors, Jesse Mouat, encore une fois, ça semble être sans assistance. Alors, on lance le but de Mouat, là, revirement du côté des Pirates, mais hein, on reprend tout de suite Bourboin. Rapide vers Saint-Amand. Saint-Amand, le lancé au-dessus du filet. Le retour. Avec 10-46, ça c'est 3-0 Ville-Marie. Et on récupère la rondelle. Donc je crois que ce sera un premier but dans la Jim Mitchell pour Bourboin. À son premier match à Ville-Marie. Alors déjà, il fait sentir sa présence.
Un joueur très rapide. Je l'ai vu à la pratique hier. Puis, c'est très rapide cet matin. Puis, oui, bon, là, on effectue un changement de gardien. Un bon caissance. Un troisième but qui chasse Rivet du match. Et on avance. Alors, on va avoir Carson Lockhart du côté des Lynx devant la cage en remplacement du gardien qui avait commencé le match, Derek Rivet. Alors, Vizébert, la rondelle, c'est Major du côté des Lynx dans sa zone. La rondelle qui tombe dans la zone des Lynx. À la poursuite du disque, c'est Hébert. La rondelle donc passe pour Hébert. Bon rythme, 10-0-3 à faire en première période. Les Pirates en avance, 3-0. Donc, Bourbon est son premier de la G. Mitchell avec une assistance à Étienne Bourque et Kevin Saint-Amand. Là, c'est Bourque. Bourque qui prend la vitesse. Bourque sur le 140 devant 5 joueurs des Lynx. Bourque toujours. La visée de la passe au centre pour le 58 également, qui a une bienvenue du côté des Pirates. Le retour qui n'a pas été maîtrisé, le numéro 58, c'est Alexis Fournier qui vient d'Amos. Alors, encore une fois, Bourque aux prises avec un adversaire, le projette au sol. Bourque. Je crois que c'est le 14. Là, Bourque qui renverse son adversaire au sol. On va tenter de séparer les deux joueurs. On verra quelles seront les punitions. Bourque, un joueur est très important du côté des Pirates. Il avait-tu eu contact avec le gardien? Je ne sais pas, le Bourque qui se pogne. Bourque là, qui semble mal en point. Retraité vers le vestiaire. Ce serait une lourde perte du côté des Pirates. On le dit souvent, là, Bourque, un des meilleurs. Bourque qui avait été remporté l'an passé, le joueur, le meilleur défenseur du côté de la division nord de la Ligue. Donc, ce serait une lourde perte du côté des Pirates. 9 minutes 32 à faire en première période. 3-0 pour les Pirates. Donc, Bourque, on lui donne... on va attendre les confirmations, là. On discute pour les punitions. Oui. On verra ce qu'on dit. Souvent, on dit en maintenant wrestling et non fighting. Là. Alors, on tente de voir. Oui, il y a eu contact avec le gardien. Si on regarde la reprise... Et là, on s'échange des coups, Chitaroni et Bourque. Alors, on discute au centre de la glace, là, les arbitres et les représentants des joueurs. Il me semble pas... Alors, on dit du côté des Lynx, Chitaroni pour s'être battu et également pour bâton élevé. Également Bourque, je crois que ce sera pour s'être battu.
on s'apprête à reprendre. On évolue donc à 5 contre 5. Émission de date, numéro 5, 2 minutes pour avoir gagné un coup de bâton. L'acte numéro 14, Kitchi Taroni, 2 minutes pour battre un B. Alors, c'est du disque, c'est grenier. Là, ce sont les Lynx en entrée de zone. Belle fête, ça va jusqu'à Girard qui repousse plus loin. Encore une fois, Girard qui ne donnera pas de retour. Dans le coin. Ça va aller jusqu'à Boucher. Boucher, premier son temps. On disait Gagnon. Encore une fois, c'est Boucher qui reprend. Boucher pour Trottier. Il a perdu le disque. Ça va jusqu'à Fillon du côté des Lynx. Fillon qui renvoie la rondelle dans le fond. Boudreau qui renvoie jusqu'à Barber en zone neutre. Barber du côté des Lynx. Rémi vers Savignac. Bien joué en défense pour Boudreau. Une fois, ça retourne en zone des pirates. Gagnon. Gagnon freine. Renvoie vers Boucher. Boucher est accepté. Boucher qui reprend. Ça du côté des Lynx, c'est vers Fillon. Ça va être repris par Swallow. Vers Boudreau. Boudreau. C'est là le jeu qui se déroule derrière le filet des pirates. On reprend du côté des pirates Trottier. Trottier à l'entrée de zone. Trottier toujours. Il y a deux joueurs qui chutent. On appellera une punition du côté des pirates, je crois. Joueur des Lynx là, qui reste sur la glace. Également, joueur des pirates qui reste sur la glace. Là. Donc, une vilaine chute pour les deux joueurs. Le joueur des Lynx qui est toujours étendu sur la glace. Fillon. On va retourner vers le banc, donc. On peut croire qu'il sera de retour plus tard dans le match. Avec 7 minutes 35 à faire en première période, les Pirates en avance, 3-0. Boudreau, un joueur qui joue physique. Oui, très, très physique, oui, oui. C'est ce que je remarquais le premier match. Là. Ouais, on a une grosse défensive cette année, Michel, des gros gaillards. La finition à 7 minutes 25 de la troisième période. Donc, avantage numérique du côté de West Nipissing. Cette fois-ci, justement, le nouveau venu, Bourboin. Là, c'est Major du côté des Lynx. On vise une passe vers la ronde. La rondelle qui est conservée dans la zone des pirates. Ce sont les Lynx. On s'est changé la rondelle et on a touché la tige. On l'a bien entendu jusqu'ici. Et là, la rondelle, oui, on réussit à la faire sortir. Les Lynx qui devront quitter la zone des pirates. Oh, c'était tout juste. Le Bourboin qui fait sentir sa présence. Une solide mise en échec. Bourboin qui voulait la rondelle. Plutôt Major qui voulait la rondelle. Et là, on a frappé le gardien. Et là, encore une fois, il y a Rescamouche. Girard, là, qui va même s'en mêler. Oh, Girard, là, qui... n'a pas apprécié. À la grandeur que Girard a, il est capable de se défendre aussi tout seul. Mowat qui s'est rué sur le joueur des Lynx. On verra ce que seront les décisions des arbitres sur ce jeu. On semble reconduire Mowat vers le banc. J'imagine qu'un joueur des Lynx également. Ou... oui, Mowat, on pointe là, au banc des punitions. Mowat, est-ce qu'un joueur des Lynx également? On se consulte du côté des officiels. Oui, oui, Marc-André là, qui pointe, le joueur. Un joueur à chaque côté.
Je suis tiré du côté de, des lynx. Il disait, non, moi, j'ai rien fait. Les... Faut pas s'astiner avec les zébrés, là. Non. Donc, on verra, là. Est-ce qu'on évaluera à 4 contre 4, ou 4 contre 3, plutôt? Oui, il y avait ouais, un bon contact. Point, là, regardez. Allez voir la reprise, ça dit tout. Gérard qui trépille devant. Je sais qu'on va l'aimer, ce gardien-là, Michel. Gérard? Oui, oui. Ben oui. Moi, je ne le connaissais pas avant cette saison, là, mais je, jusqu'à maintenant, je l'aime bien. Je l'ai vu gauler à partir de novice. Ah oui? Oui. C'est, j'y ai tout montré. Ah, OK. Hey, non, non. Aucunement. Il y a tout le mérite qui revient. Oui, oui, le crédit lui revient, oui. Une famille de il était gardien de but pour les As à Rouen dans le midget 2A. Okay. T'as fait ton scouting, Michel. Pardon? T'as fait ton scouting. Non, je l'ai suivi. Salutations à ses parents, Sandra et Pascal, qui doivent nous écouter présentement. Donc, on les salue, oui, certainement, là, oui. Donc, comme on disait, Pierre produit Témiscamingue, on aime ça. On a quelques joueurs du Témiscamingue cette année avec les Pirates. On peut penser à Alex Gilina, qui nous vient de Ville-Marie. On a également Nicolas Milhomme, qui est natif de Lorainville. Tristan Guimond. Tristan Guimond également, oui. Tristan Guimond de Ville-Marie. Donc, on a appelé en 5 minutes là, du côté des Pirates. À Jesse Mowat. On joue au tableau musical. Oui, oui, il y a un petit on allume et on éteint. Là, dans le temps. Je ne sais pas si vous entendez la maison, là, mais ici, des bruits bizarres. Et pourtant, c'est pas encore l'Halloween. Donc, 4 contre 3 en faveur des Lynx. Alors, du coup, des Pirates, on fait confiance à Saint-Amand, la mise en jeu. Coup de dessus en défense et... C'est de voir Swallow. Donc, Saint-Amand, Swallow et Coutu pour les Pirates. Côté de Lynx, Savignac, Major. On a le numéro 21. 5 contre 3. Stéphane Villon. Oui, exact, Michel, de bien. Donc, un moment clé dans la rencontre c'est pour les Lynx. S'ils veulent revenir dans le match. Il y a plusieurs partisans des Lynx qui sont avec nous, donc salutations. On a take a few seconds to say hi to the West Nipissing Lynx fans. Thanks for being with us tonight. It's a great game so far. It's 5-on-3 for your teams, so it's a moment, an important moment. On m'avait mis au défi de tout traduire en anglais ce que tu dirais. Mais là, est-ce que tu as pratiqué ton russe, Michel? It's not so, so a good idea. Oh, no, no, no. Je t'avais mis au défi d'apprendre le russe aussi, là. Alors, c'est le parti 5 contre 3 en faveur des Lynx. C'est vraiment important dans ce match. Alors, du côté des Lynx, c'est où? On va aller à Savignac à la ligne bleue, vers Major. Major à Savignac, lancé, bloqué par Gérard. Ça retourne à Savignac. Alors, là, toujours Major. Ça fait mais la rondelle. La rondelle qui, oui, quitte la zone des Pirates. Se retrouve jusqu'au gardien des Lynx. C'est maintenant Carson Lockhart devant la cage des Lynx. Savignac. On a toujours les Lynx. Hein? Oh là, on a tenté de faire dévier. Ça a raté. On se promène avec la rondelle. Le lancer est bloqué par Girard qui ne donnera pas de retour. Alors, 5 secondes à faire à la première pénalité et 4-0-2 à la deuxième. 5-39 à faire en première période. Là, c'est Guimond. C'est
5 contre 4. Gagnon qui a sauté sur la glace. Et là, c'est lui qui a fait dévier. Gagnon à la poursuite du disque. Gagnon! Gagnon toujours. Oh là là, le lancer au filet. Gagnon qui complète sa mise en échec. Gagnon, joueur très intense, c'est ce que j'apprécie de lui également. Là. Un joueur là, très intense l'an passé, là, qui donnait le ton au match souvent. Donne l'exemple à ses coéquipiers. Notre capitaine Xavier Gagnon. Et là, c'est Bourdouin. Là, c'est... Oh, ça a raté de peu. Dans le coin. C'est repris par la ronde du côté des Lynx. La ronde. Ça va aller dans le coin. Bloqué par Gérard. Et là, la rondelle jusqu'au gardien des Lynx. On effectue des changements du côté des Lynx. Là, c'est Fillon. Fillon le tourniquet. 2 minutes 30 à la punition encore. Oh! Encore une fois, Gérard qui bloque. La rondelle qui va se retrouver jusqu'à Lockhart. Dans le coin. Encore une fois récupéré par les Pirates. Cette fois, c'est Gina qui s'amène. Gina qui a perdu le disque. On va tenter de le reprendre. Et on regarde quand même de précieuses secondes. Dans le coin, c'est Guimond. Gina. On tente de faire sortir la rondelle de la zone. Ça va à la ligne bleue des Lynx. Alors, 3 minutes à faire en première, 1,25 à faire à l'avantage numérique des Lynx. Ce sont les Lynx en possession de rondelle. La ligne bleue. On s'échange le disque. Une fois, c'est bien bloqué par Gérard. On a enlevé le bras. On appellera une nouvelle punition du côté des Pirates. L'arbitre qui a le bras laser. On attend que les joueurs des Pirates touchent la rondelle pour siffler l'arrêt de jeu. Voyons quel sera l'appel de l'arbitre. Là, on touche finalement Guimond. On verra quel sera là. Oh, encore une fois, là, Escarmouche, Swallow et je ne sais pas qui est au joueur. Là. Et là, le joueur là, qui s'en prend à Swallow alors que l'arbitre le tient. Encore une fois, Escarmouche. Et là, le joueur qui ne veut pas écouter les arbitres. C'était qui ce joueur-là? Numéro 11, la ronde. On le reconduit au banc. Des punitions. Alors, soit l'autre qui quitte vers le SR, j'imagine qu'on devrait faire la même chose du côté de la ronde avec 2 minutes 24 à faire en première. Alors, encore une fois, Michel, beaucoup d'intensité dans ces deux équipes là, depuis le début de la saison. Là. On remarque aussi que c'est les gros défenseurs des Pirates qui sortent. Je ne sais pas si c'est un addon. Swallow n'avait aucune chance, l'arbitre était dessus. Alors, plusieurs escarmouches en fait, à ce début de match.
On discute. Exactement, oui, là, on est en pleine discussion. Swallow qui est parti directement pour le vestiaire. Oui, mais avec 2025, là, j'imagine qu'il va avoir un 5 minimum. On va pas que le joueur des Lynx, ils n'ont plus qu'à quitter vers le vestiaire, mais ça. Ouais, j'aurais cru aussi. Oui, la ronde qui quitte le banc des punitions. On va lui indiquer le vestiaire, oui. Pour un. Alors, avec tout ça, il reste 2 minutes 24 à faire en première période. Les Pirates qui ont pris les devants 3-0 sur des buts de Boucher, Mowat et Bourboin, sont premiers dans la Jim Mitchell. À son premier match avec les Pirates. Voilà, l'entraîneur mental qui va ses consignes, on sort le tableau. On va lever la caméra un peu. on va être gentil. Hein, là. Alors, j'imagine, là, du côté pirate, on va dire aux joueurs là, d'essayer de calmer nos émotions. On est en avance 3-0. On ne voudrait pas voir des joueurs suspendus ou blessés. On est quand même déjà tôt en début de saison. Là. Le jeu se reprend à la droite de Girard. Contre 3 encore. Ça va la ligne 2 des Lynx. Allez dans le coin. Alors on donne un 2 supplémentaire à Swallow comme instigateur. La belle effort là-dessus du Saint-Amand. Même à genoux là, qui a renvoyé la rondelle en fond de zone. Merci Coutu. La rondelle qui va se rendre jusqu'à la derrière le filet de Lockhart. Donc. C'est dans le coin. À la poursuite du disque, là, c'est les Lynx qui reprennent. La ligne bleue. Et encore une fois, on réussit à dégager les Pirates. Encore et toujours à l'envahisseur. Comme le village gaulois. Et là, Boudreau, il s'en tire bien là-dessus, il a mis en échec vers l'arrière. Alors qu'on annonce la dernière minute de jeu de cette première période ici à Ville-Marie. Entre les Pirates de Ville-Marie et les Lynx de West Nipissing. Toujours du côté des Lynx. Encore une fois, Girard qui résiste. La rondelle qui quitte la zone des Pirates. Les partisans là, qui applaudissent l'effort des joueurs des Pirates. Moins de 30 secondes à faire à la première. Sirène du côté des Lynx. Du côté des Lynx toujours. On contourne les Pirates, le filet. On a tenté de la remise devant. C'est Boucher, la rondelle qui va... Non, on conserve la rondelle dans la zone des Pirates. Et cette fois, oui, cette fois, la rondelle va quitter. Et c'est ce qui mettra fin à cette première période tumultueuse, première période, j'oserais dire, Michel. Alors, les Pirates en avant 3-0 sur les buts d'Olivier Boucher, donc, Jesse Mowat et Alexis Bourboin sur des passes de Bourque et Saint-Amand.
Donc, c'est 3-0. On vous retrouve pour la deuxième période dans quelques minutes. Donc, les Pirates qui vont commencer la période en désavantage numérique pour 23 secondes.
Alors, re-bienvenue pour cette deuxième période. Les arbitres qui entrent sur la glace et les joueurs qui pourront le faire dans quelques secondes. Alors, on vous rappelle qu'après 20 minutes de jeu, les Pirates qui sont en avance 3-0 sur des buts de Boucher, Mowat et Bourbon sont premiers dans la GMHL. Ce match des Pirates est aussi une présentation des pneus GBM. Oui, monsieur. Un commanditaire des Pirates très important. Oui, notre commanditaire majeur pour la diffusion cette saison. Et un merci spécial, Michel, à toute notre équipe technique là, qui a travaillé fort dans les derniers jours avec une nouvelle caméra, un nouvel ordinateur. Donc, on s'est remercié Steve Ouzéjour de l'intro musique. Frédéric Patoine également, là, qui est notre technicien en chef, si je peux dire. Là. On remercie également notre ami Denis Gauthier et toi-même, Michel Sabourin, là, qui ont travaillé très fort dans les derniers jours. Oui, mais moi, j'ai plus regardé Frédéric pitonner, puis clic, 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 c'est un dieu de l'ordinateur. Ça. Oh! Donc, on remercie tous ces gens là, qui nous permettent là, d'être avec vous ce soir pour ce match des Pirates dans le GMHL. On monte mon son un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je vais remontrer un petit peu le son. Alors, on est reparti. Mais ça, c'est l'autre game. OK. Alors, on est reparti en deuxième période du côté de Ville-Marie. Ce sont les Lynx en avantage numérique pour encore 7 secondes. Le lancer qui rate à côté du but de Girard. Avantage numérique terminé pour les Lynx. On est à force égale maintenant. Alors là, c'est reparti du côté de Lynx Brunet. Capté de la mitaine par Girard. Qui va conserver? Et on salue également les gens qui sont avec nous ce soir. Vous êtes environ 115 avec nous en ce moment. Et merci Annie Rassico pour ton beau commentaire. C'est bien apprécié. Donc, merci à toi d'être avec nous et de nous suivre à la belle famille des Pirates de Ville-Marie. Donc, c'est reparti. Les gens de la Sarre. Oui, donc plusieurs joueurs de la région de la Sarre avec les Pirates. On est bien content de les avoir avec nous. Alors, c'est parti, Hébert. Oui, on fonçait la passe au Bourbon. Ça a raté de peu là-dessus. Et là, au centre, c'est Guimond. Il va repousser les Lynx dans leur zone. Hébert à la poursuite du disque. On la passe pour Bourbon. Il a capté du patin. A remis pour Saint-Amand, au centre pour Hébert, le lancer du revers, on vise encore une fois Bourbon, Guimond qui s'avance. Ah. Et là, c'est Amand qui a raté son lancer, la rondelle qui est un peu collante, et le double échec! Encore une fois, là, beaucoup d'intensité entre les deux équipes. Les Lynx ont-tu été punis? Alors, je crois que non, Michel. On a eu un solide double échec, là, mais... Oh, Marc-André qui... Non. Donc, on reprendra dans la zone des Lynx. Gagnons la mise en jeu pour les Pirates. Bon, c'est Savignac du côté des Lynx. En plein centre, c'est Boudreau qui reprend. Il a contourné le filet. On aurait tenté de remettre devant pour Gagnon. Là, c'est bloqué du patin par le numéro 7 des Pirates. Danny. Danny là, qui évolue en défense pour l'instant. On rappelle là, que Bourque et Swallow qui ont été chassés là, pour des, ce qu'on appelle bagarres. Et là, c'est fait l'arrêt de jeu. Et un joueur des Lynx qui est resté au sol. Je n'ai pas vu ce qui est arrivé. Alors, le soigneur là, qui va aller au premier soin. Arrête de danser, tu fais chier la caméra. Oui, mais Guillaume met de la bonne musique. Guillaume Gonzalez, l'animateur, oui, notre DJ, l'animateur notre DJ, de foule. Ouais. Ouais.
Il y a eu une mise en échec tantôt dans ce coin-là, mais je n'ai pas suivi. Oui, nous autres, c'est notre, pas notre seul, notre seul angle mort ici, Michel. Donc, il faut le jeu qui se déroule dans d'autres coins de la glace. Donc, le joueur là, qui semble se relever de ses propres moyens. Bon, je pense qu'il est plus choqué que blessé. Non. C'est le numéro 6, Barber. Oui, Barber qui est un joueur très, très vocal sur la glace, là, on le sait aussi. Là. Donc, il a adressé quelques reproches au Bonnie Pirate avant de se diriger vers son banc, lui. Ça ne doit pas être des recettes de tarte aux pommes. Donc, on reprendra Milom à la mise en jeu pour les Pirates. Ça va faire Filion qui a fait dévier vers Savignac. Le jeu va se poursuivre. C'est Boudreau. Oh là, Savignac qui a intercepté le jeu. Une fois, Girard qui met la main sur la rondelle pour provoquer l'arrêt de jeu. 17 minutes 45 en deuxième période. Donc, on parlera donc dans la zone des Pirates. Milom face à Thor à la mise en jeu. Remporté par les Lynx. Mais ça va derrière le filet de Girard. C'est Thor avec la rondelle. C'est Filion. Lancé de loin, encore une fois, Girard là, qui conserve le retour. Girard très solide jusqu'à maintenant devant sa cage. Rappelons-le, Simon Girard, natif de Fabre. Il fait 6 pieds 1 pouce, 180 livres. Il est né en 2006. Alors là, c'est Savignac. La ligne bleue. Ça va dévier dans le coin. C'est repris par les Lynx. C'est Filion, la passe derrière. Ça va aller jusqu'à Major. Major qui renvoie vers le 72. C'est Thor. Alors, on effectue des changements du côté des Pirates. On y va avec Mercier, Grenier et le numéro 58, Alexis Fournier. Le filet, c'est Mercier. C'est intercepté vers les Lynx. Filion qui a remis à tort, mais beau jeu de Grenier. Grenier qui remet vers Mercier. Mercier à l'entrée de zone. On lui a fait perdre le disque. Ça va aller dans le coin. Les Lynx qui repartent. La passe en lob du revers vers le numéro 7. Zachary Major qui vient de Sturgeon Falls. Et là, la rondelle qui est derrière le filet, c'est Moat. Moat qui est remis vers Boudreau. Boudreau toujours vers le numéro 14, Grenier. Grenier en entrée de zone. Grenier toujours, on lui a fait perdre le disque. Il va tenter de le reprendre. Pousse plus loin. Là, ce sont les Lynx qui repartent en attaque. La rondelle qui est envoyée dans le coin. Et là, c'est repris par Hébert. Hébert et Mercier qui s'amène. Hébert toujours. Une belle fin de Hébert. La remise devant pour Mercier, ça a raté de justesse. Et là, c'est Saint-Amand. La rondelle, on visait la longue passe. Vers le nouveau venu, Bourboin. Alors, on se contente de dévier jusqu'au gardien. Lockhart qui garde la rondelle en sa possession. Alors, 15 minutes 43 à faire en deuxième période. Ce sera Saint-Amand à la mise en jeu pour les Pirates. Et là, c'est le 22 Bourboin. On a tenté de faire des biais devant. Et là, on a fait trébucher Bourboin. Ça sera resté impuni. Couture, renvoie vers Saint-Amand. On a mis vers Hébert. Hébert toujours. On voit derrière le filet. C'était pour Bourboin. Alors, ça avance très haut du côté des Pirates. On a visé la passe vers Hébert encore une fois.
Hubert qui a des bonnes chances en deuxième période jusqu'à maintenant. Il a ses coups dessus en... avec Ambroise. C'est repris par Saint-Amand. On visait là-dessus le Bourboin, le 22. Bourboin toujours. Et là, c'est vers Mowat. Le lancer de loin de Mowat. Et là, là, il y a un joueur qui reçoit le numéro 6 Barber là, qui s'en donne à cœur joie sur un joueur des Pirates. OK, c'est lui qui a rentré au banc tantôt. Oui, qui était choqué, mais j'ai pas vu. Là, il a tenté de se venger pour sûrement le jeu d'avant. Là. J'espère qu'on lui... le joueur des Pirates, il ne faisait que se défendre, là, qui a reçu plusieurs coups. Ah, c'était Mowat, je crois. Qu'il a... Non, Mowat est sur debout. Qui est le joueur... Barber qui sera certainement expulsé du match. En tout cas, il se doute de quelque chose. Ce sera à revoir, là, Michel. Là, je l'ai pas vu non plus. Barber qui était furieux et qui a plusieurs coups de poing là, aux joueurs qui étaient sur la glace du côté des Pirates. C'était Mowat? Non, Mowat était debout. Je ne sais pas trop. Ça va être à revérifier. Oui, pendant l'entraide, Michel. Là, Bien qu'on soit assez gros pour avoir une régie puis avoir des reprises vidéo. Quand on serait plus que deux à l'analyse, à la description, à la caméra. Peut-être si on m'expliquait ça pour 7 minutes, c'est-tu parce qu'il n'y avait pas de raison de frapper et il a frappé ou. Alors, Warburn, il donne un instigateur et bataille pour s'être rebattu et pour avoir été instigateur. Donc, un 5 qui s'est abattu et plus un 2 d'instigateur. Ça va être un 7 minutes à 5 contre 4, ça c'est long ça. Ah, c'était Guimond, je crois, qui a été le joueur agressé. À valider, là, je dis ça sous toute réserve. Là. En plus d'un 10 minutes de l'air, oui. Alors, ça se poursuit l'intensité en deuxième. Michel, on dirait que le match était robuste en première et en deuxième, ça ne semble pas vouloir diminuer. Bon, le jeu qui reprend. Oui, on sera prêt à reprendre. C'est Gagnon. Hein? Mowat à la ligne bleue. Mowat pour Gagnon. Gagnon toujours. On va tenter d'ouvrir la boîte. C'est Boucher de lancer de loin de Boucher. Ça va glisser jusqu'à Trottier. Trottier toujours pour Mowat. Mowat à Boucher. Boucher prend son temps. Remis à Mowat pour Gagnon. Gagnon qui doit faire vite, un joueur qui était assez trousse. On a remis à Boucher. C'était vers Rupert House. La Girard qui va pousser plus loin vers Gagnon. On l'a tenté un peu de déconcentrer Gagnon en frappant sur la glace. Là, c'est Boucher à l'entrée de zone. Boucher toujours. Boucher, on visait le passe pour Rupert House. Rupert House qui remet pour Boucher. Boucher toujours. De l'autre côté pour Gagnon, vers Boudreau. Boudreau, le lancer, bloqué. Le retour du but! Je voulais dire Rupert House, mais je ne suis pas certain, Michel. Je crois que ce sera Rupert House. C'est le retour, ouais. Et c'est lui qui s'avance. Vers ses coups de pied, donc on peut présumer que ce sera Rupert House. Le numéro 24 des Pirates, Jared Rupert House. Donc ça annule seulement le 2 minutes. Et oui, toujours 5. Alors, 4-0 Ville-Marie. On confirme le but de Jared Rupert House, cité de Jacob Boudreau. Jacob, oui. Jacob, vraiment. C'est moi qui traduis, c'est pas toi.
Traduisez, monsieur le traducteur. Alors, mise en jeu pour les pirates. Gélina, il est flanqué de Hébert et Saint-Amand. Oh là, salut, mise en échec d'Hébert. C'est lui qui reprend le disque. Hébert, toujours. Hébert. C'est vraiment qui a remis à Boudreau. Boudreau toujours. Boudreau rapide. Et là, le jeu qui est en zone neutre. On reprend, c'est Gélina. Gélina toujours. Gélina prend son temps. Jongle bien avec la rondelle. A toujours tout de même remis vers Bourboin. Bourboin la passe derrière vers Gélina. À Boudreau. À Gélina. De l'autre côté, on visait Hébert. Ça a raté. Hébert qui a, oui, reprend le disque. Deux joueurs des Lynx, ça s'étrousse. Mais Hébert qui remet tout de même vers Bourboin. Oh, la seule mise en échec de Bourboin. Alors, du côté Bérard, on réplique avec des bons coups d'épaule également. C'est Boudreau à sa ligne bleue. Hébert, le lancer, ça rate de peu. Gélina, Gélina, une première feinte. Il a glissé. Il remet toujours tout de même vers Bourboin. Et là, les Lynx qui réussiront le dégagement jusqu'à la zone des Pirates. 4-10 à faire à l'avantage numérique des Pirates. On rappelle les Pirates qui avaient un avantage numérique de 7 minutes. Ils en ont profité pour marquer un but. Celui de Jared Ruppethouse. Encore une fois, on renvoie les Pirates dans leur zone. Mouette à la poursuite du disque. Voilà, Mouat qui récupère derrière son filet. En son temps. Remet vers Boucher. La passe rapide pour Gagnon. Gagnon. Freine. À Mouat, à la ligne bleue. Mouat à Boucher, ça a raté de justesse. Et là, les Lynx qui vont encore une fois réussir le dégagement complet. Cette fois, c'est Gagnon derrière son filet. C'est Trottier. Et on devrait se méfier d'un joueur là, en maraudeau, là, également qui avait le bâton assez élevé, le joueur des Lynx là-dessus. La Boucher qui a tenté la passe déviée pour Trottier. C'était bien pensé. Les enjeux, c'est Hébert pour les Pirates. C'est facilement remporté par Hébert. Avec lui, c'est Boudreau pour Bourboin. Gélina qui remet à Bourboin. Bourboin à Boudreau. Là, c'est Hébert. Bourboin, le lancer, ça aide de peu. Encore une bonne chance de marquer pour Bourboin. Un lancer le but! Alex Gélina! En avantage numérique pour faire 5-0 Ville-Marie. Le numéro 10, Alex Gélina. On va attendre la confirmation, là, mais à vitesse réelle, je dirais que c'est lui. Le jeu avec un synchronisme parfait, la passe. Oui, puis... oh, oui, il était bien placé, il n'a pas hésité à décocher le lancer. Donc, on démarre quand même avec un 2 minutes 35 de supériorité numérique pour les Pirates, encore. Alors, c'est confirmé, Alex Gélina sur une passe de Kevin Saint-Amand, 5-0 Pirates, avec 10-20 à faire en deuxième période. Là, c'est Bourboin. Et on rappelle, Gélina qui a sa section des partisans là, dans la section F. Alex Gélina qui a son fan club, là, sa famille qui est présente à plusieurs matchs. Oui, sa cousine chante au Canada.
Alors, on tentera encore une fois d'accentuer l'avance du côté des Pirates. Hébert à la mise en jeu. Et essayer de mettre le match hors de portée des Lynx. 5-0, c'est une bonne avance, là, mais comme on sait, là, c'est jamais fini. Tant que c'est pas fini. Alors, on remet à Bourboin. Bourboin qui prend son temps. Rémi Virgilina. À Moat. La Moat vers Hébert. Hébert, une belle feinte, une deuxième. Oh là, c'est bien passé, là, Hébert là, qui visait cette amende du côté du filet. Et là, c'est lui qui récupère. Et on le fait trébucher, les Lynx qui seront chassés. Savignac qui m'en rajoute même. Et là, on continue à s'insulter. Le Savignac qui tente d'embarquer Hébert dans son jeu, mais Hébert là, qui continue vers l'autre zone. Là, on ne dit rien, on s'en va au banc. Tout simplement, on va profiter du 2 minutes du côté des Pirates. La mise en jeu, là, on se dispute le disque. Et la rondelle qui touche le plafond, donc arrêt de jeu. On reprendra au même endroit. La Gagnon s'est raté. Ça s'est bouché. Bouché par le disque. Il le remet à Rupert House. Rupert House toujours. À Gagnon, pour Boucher. Oh, c'est bloqueur défensif. Rondelle qui retombe sur la glace. En bataille, c'est Rupert House qui remet la ligne bleue pour Boucher. Et là, ça va plutôt à Gagnon. Vers Boudreau qui voulait la rondelle lancer. Il n'y avait pas beaucoup d'angle là-dessus. Gagnon, vers Boucher. Boudreau, ah, il a perdu le disque. Le remettre. Changement de position avec Gagnon. Lancé du coin, ça a raté pour Trottier. On conserve la rondelle dans la zone des Pirates. Boucher. Ah, la passe pour Gagnon, mais c'est dans les patins. C'est remis à Boudreau. Boudreau, une première feinte. Oh, la belle passe par derrière pour Gagnon. À Boucher, le Boucher, lancé. Bloqueur défensif par les Lynx. Encore une fois, là. On se met la centre du côté des Pirates. Et on conserve la rondelle dans la zone des Lynx. Boucher, le lancer, bloqué par Lockhart de la mitaine. Encore 3 secondes au 5 contre 3. Et par la suite, 30 secondes à l'avantage numérique des Pirates. Là, c'est Moat devrait se méfier, il y avait un joueur derrière lui. Oh là, solide mise en échec de Moat en plein centre. Et je crois qu'il sera chassé là-dessus, Moat, là. Un peu dans l'angle mort du joueur des Lynx. Et on dira donner du coude du côté de l'officiel, là, donc. Oui, mais Moat, il y a des gros coudes. Oui, il y a des gros coudes, Moat. Oui, Marc-André qui me faisait remarquer, Marc-André Carole, l'entraîneur, là, que Jesse Moat, là, cet été, a connu un gros entraînement physique, a perdu beaucoup de poids pendant l'été et a été très impressionné de sa condition physique au camp. Oui. Donc, Moat, là, qui, justement, là, veut s'imposer cette saison. Et là, c'est Milhomme du côté des Pirates. Milhomme avec la rondelle. Milhomme. C'est du côté, c'est Fisher du côté des Lynx. On voit les Pirates en fond de zone. Alors, 5 contre 4 pour les Lynx, pour encore 1,42. 7
15 à faire en deuxième. Hélens derrière le filet, on prend son temps. Là, on envoie la rondelle qui en circule. Ça va à la ligne bleue des Lynx. C'est Savignac. Là, c'est Major. Major toujours. Alors, les Lynx, on s'échange la rondelle. C'est bien bloqué par coup dessus. Cette fois, c'est Danny. Et la rondelle, on conserve la rondelle dans la zone des pirates. C'est Westy. On a remis à Savignac. Alors, ça va aller jusqu'à... Oh, beau jeu là-dessus, là. Grenier qui a failli réussir le dégagement. Là, c'est Fisher du côté des Lynx. À Major. On a remis à Savignac. C'est Major toujours à la ligne bleue. On a tenté la déviation pour faire Fisher. La rondelle qui oui, quitte la zone des pirates. On aura le temps d'effectuer quelques changements. Oui, Milhomme. C'est un merci qui s'amène sur la glace. Et le 58, Fournier. Bien bloqué par Coutu en défense. Et encore une fois, Coutu. Le dégagement jusqu'à l'autre bout de Coutu. Il sera refusé. La pénalité est terminée. Terminé, ouais. Okay. Alors, on a réussi à écouler le 2 minutes complètes du côté des pirates. Alors, Fournier, la mise en jeu pour les pirates. Il est flanqué de Rupert House et Mercier. Une fois, Mercier qui reprend. Mercier vers Rupert House. En entrée de zone, on a remis vers Mercier. Et là, Mercier qui a fait une chute. Là, c'est Boudreau. Boudreau dans sa zone. Il reste réfugié derrière son filet. Boudreau, là, évite un joueur. Il réclame une punition, je crois. Il juge qu'il a reçu un coup de bâton. C'est bouché. La passe en plaçant, on visait Rupert House, mais ce sera raté. Donc, on reprendra en zone des pirates. Quatre minutes 50 à effectuer en deuxième période. Encore une fois, la rondelle qui va se rendre jusqu'à l'autre bout. On va laisser les jeux se poursuivre. Girard qui a fait dévier dans le coin. Encore une fois, c'est remis. Oh, là, c'est Trottier là, qui était seul. C'est Trottier qui va s'emmener avec Boucher. On prend son temps du côté de Trottier. On conserve la rondelle. On visait une passe à Boucher. Bon, et là, là. On va passer un peu le bras derrière la tête de Gagnon là-dessus. Et là, la rondelle qui va dévier dans le banc des punitions. On a sifflé l'arrêt de jeu avec 4-10 à faire en deuxième période. On vous rappelle que ce match des pirates est une présentation de pneus GBM. Boucher. Rondelle qui va derrière le filet, c'est Trottier. Trottier qui a perdu la rondelle au profit d'un joueur des Lynx. Watt là, qui a bloqué du patin. On renvoie dans le fond de la zone des pirates. Et encore une fois, Girard qui immobilise la rondelle.
des Lynx, et c'est Savignac devant Saint-Amand pour les Pirates. C'est remporté par Saint-Amand. Le long lob. Coutu qui va reprendre le disque. On l'a poussé vers derrière. Et là, l'arbitre qui a levé le bras. Et on chassera le joueur des Lynx. Au 34, ça vient que le Michel, je ne sais pas si tu te souviens, du facial, il me fait beaucoup penser à Alex Peters. La face, là, le... Ah oui, ben oui. Un peu, là, un peu plus... peut-être un petit peu plus joufflu que Peters, là, mais le visage, il me fait penser un peu à lui. Joufflu. Joufflu. Non, mais je dis ça poliment, ouais, on s'entend, ouais. Là. C'est pas... C'est pas... même, à peu près le même style de jeu. Oui, des joueurs très intenses, très physiques, et ça, mais quand même un bon joueur d'hockey, ça vient jusqu'à maintenant, là. Il évolue sur les premiers trios des Lynx, donc c'est un bon joueur. Et très intense et me fait penser à mon bon vieux Alex Peters, là, un joueur que j'ai beaucoup affectionné avec les Pirates. Là. Alors, c'est l'arrêt de jeu là, avec 3-12 à faire en deuxième période. C'est Boudreau. On va tenter la déviation. On va remettre à Bourboin. Le lancer de loin, c'est bloqué par le gardien Lockhart. Bataille pour le disque. C'est Saint-Amand qui s'en empare. Saint-Amand pour Bourboin. On vise à Hébert. Hébert avec la rondelle. À Gélina, à Boudreau, lancé de Boudreau, c'est bloqué par le gardien. Alors, Grenier, la mise en jeu pour les Pirates. Alors, un peu de temps d'avantage numérique là, pour Grenier et Mercier, avec une avance de 5-0. Et même Milhomme à l'avantage numérique. Donc, on récompense nos joueurs là, pour un peu d'avantage numérique. Avec une avance de 5-0, là, c'est très classe de la part de Marc-André Caron. Alors, bonne mise en échec là, de Milhomme là-dessus. La Saint-Mouat, on l'a fait trébucher. Enfin, c'est Grenier. Grenier qui prend la vitesse, on lui fait perdre la rondelle. Et là, on a tenté Savignac de s'échapper à sa sortie du banc de punition. Girard qui sort dans son filet. Girard va nous lancer la rondelle. Oui, oui. Et là, c'est Milhomme, le lancer de Milhomme. Ça a été bloqué en défensive du côté des Lynx. Et là, encore une fois, une passe par derrière. On devrait se méfier du côté des Pirates. Danny qui va en repli. Et là, encore une fois, c'est bloqué par Girard. Et là, le joueur... Non, 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 l'arbitre fait signe. Non, non. On l'avait sifflé. Et Girard, là, qui est en position de la rondelle lorsque l'arbitre a sifflé. Donc, non, non. On va reprendre avec 1-5 à faire en deuxième. Les Pirates toujours à l'avance, 5-0. La fameuse technique de l'équipe adverse de lever les bras dans les airs. C'est rendu fait un but, d'influencer l'arbitre. Ouais, ouais. Alors, les arbitres là, qui en ont vu d'autres. Là. Les arbitres d'expérience là, avec Marc-André Manceau et l'autre arbitre dont le nom m'échappe, là, mais qu'on voit souvent là, ici à Témiscamingue et dans d'autres amphithéâtres de la G. Mitchell. On annonce la dernière minute de oui, jeu. Exact. Alors, beau repli défensif là-dessus, les Pirates.
Alors, on joue prudemment du côté des Pirates. Les dernières secondes de la deuxième. Danny, le petit tourniquet. Danny toujours en possession de rondelle. Alors, bataille dans le coin, c'est Fournier, Danny avec des joueurs des Lynx. Bel effort encore de Danny là-dessus. La ligne bleue des Lynx. Alors, c'est frappé. Ça dévie le protecteur. On siffle l'arrêt de jeu. Alors, 11 secondes à faire à cette deuxième période. La rondelle qui, non, oui, tout juste. Encore une fois, non. Et là, Girard qui va bloquer pour mettre fin à la deuxième période. Les deux équipes qui vont retourner au vestiaire. Les Pirates en avance, 5-0. Alors, en deuxième période, les Pirates là, qui ont consolidé leur avance avec un but de Jared Rupperthaus sur une passe de Jacob Boudreau et Xavier Gagnon. Et Alex Gélina avec une passe de Kevin Saint-Amand. 5-0 Pirates après deux périodes de jeu. On vous retrouve dans quelques minutes pour la troisième période.
Alors, re-bienvenue à la troisième période qui va commencer dans quelques instants à peine. Alors, on rappelle les Pirates qui sont en avance. 5-0 après deux périodes complètes de jeu. Et pour les amateurs de hockey junior, là, ailleurs de la GMHL ce soir, c'est confirmé. Une victoire convaincante des Titans de Témiscamingue, 11-1. Du côté de Center, les deux équipes qui s'affrontent de nouveau demain. Et on le rappelle, les Pirates qui seront du côté de Bradford dimanche pour y affronter leurs éternels rivaux, les Rattlers. Donc, un match qui sera évidemment diffusé sur GMHL TV. Soyez de la partie dimanche soir pour un match de vos Pirates contre les Rattlers de Bradford. Et ici, ce soir, on le rappelle, jusqu'à maintenant, c'est toujours 5-0 pour les Pirates. Et on vous rappelle que ce match des Pirates est une présentation de pneus GBM. Alors, du côté des Pirates, pour amorcer la troisième période, Trottier, Gagnon et Boucher en attaque, Moat et Guimont en défensive. Alors, le sifflet se fait entendre. C'est parti pour la troisième période à l'Arena Frères Turbergeron. La rondelle qui dévie dans le coin. À la poursuite du disque. La rondelle qui est dans le coin. La rondelle qui est récupérée par les Lynx. Westier. La remise devant. Alors là, on sent les Lynx. C'est très agressif en début de troisième. On veut s'inscrire au pointage. Mais c'est repris par Boucher dans sa zone. Boucher prend bien son temps, Boucher. On n'a pas de jeu précipité à faire avec une bonne avance. Gagnon. Là, c'est bloqué dans le coin. C'est l'arbitre. La rondelle qui a touché ses patins. On devra reprendre. Et c'est en zone neutre. C'est Dubuc du côté des Lynx, le 22. Là, c'est en visiteur. Là, c'est repris par les Pirates. Et là, on devra, oui, Hébert qui est entré trop tôt en zone des Lynx. Il a dû rebrousser chemin. Là, on bataille la rondelle pour la rondelle dans le coin. Hébert, de l'autre côté, c'est Coutu. Le lancer de loin, c'est bloqué par le gardien. Encore une fois, on s'échange les politesses. Alors, vous êtes plus de 110 personnes à nous écouter, donc merci d'être avec nous ce soir en ce beau vendredi soir ici à Ville-Marie pour un match de hockey junior. C'est Saint-Amand. La rondelle là qui s'en va du côté de Filion. La remise vers Savignac. Savignac qui fera une remise vers Filion. Et là, cette fois-ci, encore une fois, intercepté par les Lynx. Il est dans les Pirates, on est un peu embouteillé dans notre zone. On a tenté le Wig de sortir. C'était Hébert à Danny. Pour. Et là, encore une fois, on visait Bourboin. Déjà une belle chimie entre Bourboin et Hébert là, après un premier match. Ils ont déjà joué ensemble dans le Judas 3A. Ah d'accord. Donc, et là, encore une fois, le Vignac s'en donne à cœur jouer sur Bourboin. Et Bourboin, il nargue. On va reconduire les deux joueurs. Bonne punition. Bourboin qui continue son petit manège. Alors, les deux joueurs qui seront cessés. Alors, comme je disais, Bourboin là, qui fait une belle entrée ce soir, là. Un joueur qui est natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, 5 pieds 8 pouces, 170 livres. Il est né en 2002. Il porte le 22 du côté des Pirates. Il nous arrive du junior 3. Donc, une belle prise. Les Braves de Valleyfield. Exactement, une équipe dont certains anciens Pirates qui ont déjà évolué. Donc, j'imagine qu'on a des contacts dans cette équipe-là. Si je ne me trompe pas, Samuel Bégin là, qui avait déjà évolué avec cette équipe-là. Un ancien pirate qui était là lors de la conquête de la Coupe Russell. Là. Il y a déjà quelques années, Michel, ça ne nous rajeunit pas déjà. Les années passent vite.
Parle pour toi. Bon, c'est Michel qui est tombé dans la fontaine de Juvence. Il rajeunit d'année en année, c'est Michel. Alors, c'est reparti, blague à part, c'est reparti. Sirène du côté des Lynx. Alors, on se passe le disque du côté des Lynx. On tente d'ouvrir la boîte. Voilà la rondelle qui circule. On va 10 minutes pour Savignac, donc. Alors, c'est les 2 minutes supplémentaires de Guimond là, qui était au tableau indicateur. C'est pour ça que les Pirates sont en des avantages, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Encore une fois, le Girard qui est solide. La rondelle qui, oui, a quitté la zone des Pirates. On devra se réinstaller du côté des Lynx. C'est Major avec la rondelle en entrée de zone. Encore une fois, Girard qui ne donnera pas de retour. Alors, 17-05 en troisième période. 5-0, avantage numérique pour les Lynx. Et c'est reparti. Les Lynx en possession de rondelle. C'est tard. Ça va aller jusqu'à Ambroise. Voilà, encore une fois, un beau jeu du 14 à des Pirates. Alex Grenier. La rondelle qui va aller dans le coin. C'est toujours les Lynx en possession. C'était Drolette. On n'est pas derrière le filet des Pirates. À la ligne bleue des Lynx, c'est Cédrelette. La Moat encaisse la mise en échec. Alors, on visait le 3 du côté des Lynx. Et là, prudemment, on va renvoyer en fond de zone. 15 secondes à faire l'avantage numérique des Lynx. 16-10 en troisième période. C'est Mercier. Mercier avec le disque. Signal à la fin de la pénalité. Là, c'est Coutu. Coutu la passe vers Gagnon. Gagnon qui évite la mise en échec. Gagnon! Vers Trottier sans rater. La passe un petit peu derrière Trottier. Mais l'occasion était là. Oh, solide mise en échec là-dessus, le coup dessus. Wow! Il a bien synchronisé son jeu et le joueur des Lynx là, qui... Ça fait mal, comme on dit, Michel, ça fait mal. Ouais, c'est de patin à patin. Ah, faut pas... là, Boucher qui évite la mise en échec. Et là, c'est lui qui a reçu un petit coup après le sifflet. Et le joueur des Lynx qui est mal en point, là, on va le souhaiter que ce soit rien de grave. On parle avec le joueur là, qui était c'était au... C'était pas un coup de genou, les deux patins se sont croisés. Tapés, oui. Alors, le joueur des Lynx qui semble en mesure de poursuivre. On va regagner le banc du côté des Lynx, donc le joueur qui est en mesure de terminer la rencontre. 15-06 à faire en troisième.
Bon lancer. Ça va dans le coin. C'est récupéré. Hey, là, on a accroché le chandail de Gagnon là-dessus. Là. Ouais. Le joueur qui tenait Gagnon par le chandail. Encore une fois, là, oui, je te jure. Il tient encore. Ah, il... Donc, il sentait bien jouer des rinks là-dessus. Là, c'est... Bon, c'est Gagnon qui est rapide. Là. On trouve tous les moyens. Oh là, le beau but! Oh! C'est pas 6-0. Le très beau jeu de Boucher, de Gagnon, là, suite. Et oui, Boucher, son deuxième du match, Michel, pour le numéro 15 des Pirates, Olivier Boucher. Vraiment un joueur là, qui continue de s'imposer dans la Ligue, Olivier Boucher. Il a connu une grosse saison l'an passé, cette saison, sans vouloir poursuivre. Comme je le mentionnais plus tôt, l'an passé, il était plutôt en défensive. Cette année, il évolue sur un trio plutôt offensif en attaque, donc... Et ça rapporte jusqu'à maintenant. 2 buts ce soir pour Boucher. C'est maintenant 6-0 Pirates. Le 6e but de Pirates, compté par le numéro 15, Olivier Boucher! Il a intercepté. Alors, le capitaine Gagnon qui récolte une mention d'aide, tout comme Mathias Trottier sur le but d'Olivier Boucher. On y va trop sur le côté de la dentelle, sur le côté des Pirates, on va faire perdre le jeu blanc à M. Girard. Michel, il ne faut pas parler de jeu blanc, ça porte malheur. On n'a pas le droit de dire ça. Non, on n'a pas le droit. Hey, le... Et là, là, le joueur. Le joueur des Lynx qui est allé pousser. Juste un peu inutile là, alors que Hébert venait de marquer. Il faut faire 7-0 Pirates. Alors là, Michel, match très intense, mais au pointage largement dominé par les Pirates là, avec un score de 7-0. Et là, ce sera en temps continu jusqu'à la fin du match, à moins que les Lynx ne réduisent l'écart. Donc 12-47 à faire jusqu'à maintenant. L'essai de relève du côté des Lynx. Alors encore une fois, beau jeu en défense de Guimond a bien bloqué la rondelle. Encore une fois, Guimond qui encaisse les rondelles, repousse les Lynx dans leur zone. Alors qu'on annonce le but d'Hébert. L'essai de relève du côté des Lynx, ça remet de l'autre côté. On contente des Lynx, on se contente de faire dévier la rondelle dans la zone des Pirates. Boudreau avec la rondelle. Boudreau, perdu, ce sont les Lynx. Là, c'est remis vers Milhomme. Milhomme toujours. La passe devant. Oh, visait, oui, Gélina plutôt. Et là, le jeu qui va se poursuivre. Danny avec la rondelle vers Rupert House. Rupert House pour Mowat. Mowat en plein centre. Mowat toujours. Mowat contourne un joueur. Et là, il y avait 2 joueurs à ses trousses. Et on va, oui, là, beau jeu de Mercier pour garder la rondelle dans la zone. Et on vient le frapper. Alors, encore une fois, là, c'est un bon coup d'épaule, Michel. On ne sait pas de quartier là, à 7-0. Là. Les deux équipes continuent de se frapper, à qui mieux, mieux. Alors, là, c'est devant nous que ça se déroule. On renvoie les Lynx en fond de zone. C'est Brunet du côté des Lynx. Brunet. On envoie la rondelle derrière le filet. La rondelle qui circule.
Il a la rondelle dans la bivitrée, la Major. Oh, il a perdu le disque. Il a renvoyé les pirates, là, mais on... Oui, il y avait un jeu retardement là-dessus. Alors, donc, le temps qui continue. 10 minutes 16, justement, en parlant de temps, en troisième période. Et là, on reprendra donc en zone neutre. Encore une fois, c'est les pirates là, qui remportent la mise en jeu. C'est Grenier. Grenier, aussi, qui a eu un bon match. Là. Il a eu peut-être moins de temps de glace, là, mais lorsqu'il était sur la glace, ça a été un élément important pour les pirates. Donc, plusieurs bons joueurs, ce sont plusieurs joueurs qui ont joué des bons matchs, là, autant en attaque là, qu'en défensive. Et sans parler du gardien de but, Girard également. Là, on va siffler punition, on dit obstruction. Je crois que ce sera contre les pirates. Coutu ou Guimond? Non, c'est Guimond. Ou Guimond, Coutu. Faites votre choix. Guimond. Guimond qui se demande pourquoi. Là, il n'est pas tout à fait d'accord, mais bon. À 7-0, je pense qu'on va mieux vivre avec la punition. Là. C'est Gagnon plutôt. Il évite les deux joueurs. Gagnon qui devrait être le premier sur le disque. Encore une fois, Gagnon qui ne lâche pas. Encore une fois. À 7-0, il ne lâche pas. Ah non, Gagnon, là, c'est vraiment un bel exemple. Pour les jeunes là, qui regardent les matchs, là, un petit joueur comme Gagnon, là, c'est vraiment tout un compétiteur, comme on dit. Encore une fois, c'est lui qui a le disque, Gagnon. A remis vers Trottier. À Gagnon. On lui a fait perdre le disque. Et là, oui, la rondelle qui est conservée dans la zone des Lynx. Des pirates plutôt, par les Lynx. Encore une fois, là, Girard solide. Gobe la rondelle avec son plastron. Avec 8-10 à faire et les secondes qui continuent. De s'écouler, oui. Une fois la rondelle. Là, c'est derrière le filet. Et on va tenter, oui, Hébert. Hébert toujours. Ah, il visait une passe pour Boucher. Il aurait peut-être dû lancer là-dessus, Hébert. Il était bien placé aussi. Encore une fois, là, c'est Saint-Amand cette fois. Saint-Amand, il a poussé pour Hébert. Alors, on effectue des changements du côté des pirates. La mise en jeu, Gélina. Accompagné de Milhomme, Danny et Coutu. Oui. Oh! Voilà. Une belle chance de marquer pour les pirates. Alors, on siffle l'arrêt de jeu. Cinq minutes 49 à faire en troisième période. 7-0 pirates.
Tu manques une belle game, Francis. Oui, mais j'ai, moi aussi, j'ai plus qu'une tâche, Michel. Un petit pépin technique. Le jeu qui se déroule toujours dans la zone des West Nipissing. Oh! On tente une entrée dans la zone des pirates, mais ressaisie par... Alors là, le jeu qui est en zone neutre, je suis du côté des Lynx, en entrée de zone. Toujours lui. Et là, c'est arrêté. Le jeu derrière le filet des pirates. On a tenté une petite feinte du côté des Lynx. Ça n'a pas fonctionné. Alors, moins de 4 minutes à faire en troisième, Michel. Oh! On a tenté un coup de genou sur le grenier. Tout fait là, du côté des pirates là, justement pour conserver le jeu blanc de notre gardien. Et là, on va renvoyer les lynx. Oui, ça a touché le gardien, donc le jeu qui va se poursuivre. 3 minutes 13 secondes encore. C'est Guimond, on a remis vers Trottier. Trottier qui pousse plus loin pour Gagnon. Gagnon qui pousse plus loin. En fond de zone. C'est Savignac du côté des Lynx. Encore une fois, la récupération de rondelle de Gagnon. Il est partout sur la glace, Gagnon. En troisième. Là. Moi, j'ai vu faire le pop-corn tantôt entre les périodes. Ah oui, oui, OK. Dans le restaurant, oui. Toujours le mot pour rire, mon cher ami. Alors, moins de 2 minutes 20 à faire en deuxième, en troisième. Et là, on a levé le bras du côté des officiels. Coup de bâton. Accroché, dans l'accroché, mais... C'est le côté des Savignac, encore une fois, là, qui se retrouve au banc des punitions. Donc, ça va éviter... ben, le temps déroule toujours, mais ça va éviter... qui aurait enlevé le gardien pour justement tenter, pas une victoire, mais au moins d'essayer d'enlever le jeu blanc. On n'a pas le droit de le dire. Le non, jeu, non, que je te vois. Le jeu d'une autre couleur. On disait qu'on n'était pas prêts du côté des pirates. Là. Prendre en zone neutre. On va faire changer le disque du côté des pirates. On a le but là-dessus, simplement. Il viendra faire 8-0. Là, je crois qu'on laissera seulement non, qu'on va laisser, on va faire reprendre la mise en jeu. Les joueurs des pirates n'ont pas été fêtés au banc. On est quand même resté humble, on le sait. Là, qu'on... Et je crois qu'on laissera seulement les secondes s'écouler, Michel. On va mettre la rondelle en jeu.
Et là, là, on laissera, on va jouer pour la forme, comme on dit, là. Là, j'ai le droit de le dire, hein? Jeu blanc pour... Et regarde les camps qui célèbrent. Et du côté des sécurités, on va le visiter, on est très contents. Alors, là, ils ont fait tout de même une bonne prestation en première période, là, mais côté offensif, les Pirates qui ont été tout simplement dominants, Michel, là, dans mon point de vue, au Seigneur qui est en train. Le point fort des Pirates ce soir est Simon Girard là, dans les buts. Là, il a sauvé plusieurs. Oui, arrières. Oui, il a été très, très, très solide, là, oui. On va le dire. Là. Écoute, là, il ne s'est pas volé, ce jeu blanc-là, comme on dit. Donc, il y a de quoi être fier et j'imagine là, que ses amis, sa famille, on est très fiers pour lui aussi. Alors qu'on entend Glory Day, la chanson thème des Pirates lors d'une victoire. Donc, une soirée de gloire ici à Ville-Marie pour nos Pirates. Et on le rappelle qu'ils seront du côté de Bradford de dimanche alors qu'on se prépare à lancer les trois étoiles du match. Alors, Boucher, la troisième étoile. La deuxième étoile. Pour son premier match avec nous ce soir, le numéro 22, Maxime Bourbon! Et là, on se réchauffe sur la glace pour moi. Et je pense qu'on va lever Michel, lui, je pense. Et là, je vous laisse venir la première, évidemment. La première étoile. Girard. Alors Girard qui a salué ses partisans, un beau moment là, pour lui et pour les partisans. Et pour nous, la description, c'est toujours le fun de voir ça. Des belles histoires de hockey, toujours agréable. Donc mon cher Michel, on se revoit, je ne sais pas c'est quand le prochain match. Donc Michel, Guillaume qui te répond, le 20 octobre, on sera de la partie, toi et moi Michel, à la description, l'analyse, la caméra et tout le reste. Donc merci d'avoir été avec nous ce soir, vous étiez nombreux à nous écouter, donc... Merci à tous nos fidèles partisans. Donc, Francis Prudhomme, mon ami Michel Savourin, vous souhaite une bonne fin de soirée. Faites-le. Bon. À la prochaine.